Un son par jour, saison 2, jour 18. Vous connaissez le principe, chaque jour pendant 30 jours, je fais un nouveau son et je vous l'envoie sur YouTube. Et vous, pendant les 12 jours restants, vous cassez les commentaires. La raison pour laquelle vous le faites, c'est parce que le 10 septembre, je vous enverrai vos titres préférés sur les plateformes. Ce matin, j'ai travaillé un son. Malheureusement, j'ai perdu les images. Donc, je suis obligé de refaire une vidéo pour vous offrir votre pain quotidien, mais c'est pas grave parce que vu là où on est et vu la proportion que ce projet prend, pourquoi pas faire une rétrospective des 18 derniers jours. Il y a quelques jours, j'ai fait des sondages sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram et Facebook. Je vous ai demandé quel titre vous voulez voir sortir avant le 10 septembre. Vous avez été nombreux à voter pour Allo Bébé que j'ai sorti. Vous l'avez streamé et ensuite vous m'avez dit où sont les autres titres. Vous êtes beaucoup à être aussi impatient que moi d'ailleurs et à vouloir que tous les autres titres sortent sur les plateformes. Malheureusement, pour des contraintes techniques et financières, tu vois, c'est assez difficile de clearer et de sortir 30 titres, surtout quand ils ont été faits le mois précédent la sortie. Je peux pas tous les sortir. Il y a plein d'autres titres qui étaient vraiment en compétition avec Allo Bébé. Deux semaines, c'est passé très vite, mais ça paraît long aussi. Je me rappelle plus du premier épisode. C'était quoi le premier épisode? Le premier épisode, c'était Mention Fort. À minuit dans la Funana, à midi dans les charts. La vista, on l'a tout le mois en dot ou en gova. Et j'ai fait zoom. Voiture est trop rapide. Voiture est trop rapide. Voiture est trop rapide. Et j'ai fait zoom. Voiture est trop rapide. Voiture est trop rapide. Voiture est trop rapide. Vous êtes nombreux à le demander et je pense que l'attachement il est un peu émotionnel. On se sent toujours plus proche du premier d'une série. On préfère toujours le premier album d'un artiste. On trouve toujours que la première saison d'un show c'était la meilleure. Ce son là je pense qu'il vous tient et il me tient à cœur parce que c'était le premier de la saison 2. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui est parti se refaire la saison 1 et il a dit putain waouh quel plaisir de le réécouter. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Le lendemain j'ai fait un titre qui s'appelait Tragédie Zouzou. Baby, je préfère quand c'est la merde. Elle me plaît pas beaucoup. La vie quand elle est belle. Baby, je préfère quand c'est la merde. Elle me plaît pas beaucoup. La vie quand elle est belle. Et vous l'avez tellement kiffé que je l'ai sorti dans la foulée. D'ailleurs, il est toujours disponible sur les plateformes. Continuez à le streamer. Ça me donne le courage, ça me donne la force pour continuer. Non, voilà, continuez de le streamer. Ah ouais, je vais pas commencer à blablater. Y a pas grand chose à dire, j'ai déjà tout dit sur ce titre. Après Tragédie Zouzou, j'ai fait un titre qui s'appelait Poum. Maintenant sur la piste, tu danses sur l'instrumental pour pouvoir m'attirer comme un aimant. Yeah, yeah, ton angle est bien plus sale. J'aimerais qu'on se chamaille comme des enfants. Mais toi, tu mets ton pom 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 sur moi. Pom 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 sur. Pom 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 sur moi. Pom 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 sur. Certains d'entre vous se rappellent l'histoire, il fallait absolument que je finisse le morceau. Mais les producteurs étaient en session avec un artiste belge qui s'appelle Giko. J'ai quand même pris mon Uber, je me suis ramené au studio, j'ai fait le track, je vous l'ai envoyé et vous le kiffez. Il y a plein de gens qui me disent, Olivier je suis en train de streamer à l'OBB, mais j'ai envie d'écouter Poum. Rassurez-vous, rassurez-vous, le 10 septembre arrive à grands pas. Sous les commentaires de cette vidéo, lesquels de ces titres vous voulez voir sortir avant le projet? J'ai fait un titre et votre réaction m'a surpris de ouf. Le titre il s'appelle Baisser la lumière. Jeune bois, toi et moi, on se sait. Baisser la lumière et juste entendre. Baisser la lumière et laisser le son. Baisser la lumière pour casser les codes. Hey. Je me suis inspiré de mes origines, de mes racines et de la rumba congolaise pour faire un titre un peu hybride, teinté de flow et de mélodie et d'émotions congolaises. Je pensais pas que ça allait plaire à ce point et ça vous a plu. Putain, ça vous a plu. Moi, ça m'encourage à aller encore plus dans cette direction, utiliser mon héritage, tu vois, puiser dedans. C'est là, tout ce patrimoine est là. Pourquoi se contenter de puiser que les flots des 4 dernières années? Le 6e jour, j'étais fatigué. Mais pas aussi fatigué que je le suis aujourd'hui. J'ai vu un commentaire sur Twitter qui disait « Hey, le motif dans le dernier son avec Isilio n'était pas aussi présent que d'habitude. » Tu sais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la fatigue, mais ça s'appelle aussi l'enregistrement. L'écriture, la composition, la top line, le montage, le mix, le mastering, l'étalonnage, la colorimétrie, la post-production, les énigmes qui se cachent dans les vidéos, l'export, le live Instagram, gros. Les problèmes informatiques aussi. Les problèmes informatiques, les problèmes d'ordre personnel aussi, ma foi.
Et surtout 17 jours de travail, tu vois, 17 jours dans l'iPad. Aujourd'hui, l'épisode, je veux le garder un peu interactif, tu vois, histoire de prendre des forces et demain revenir avec une grosse bringance, tu vois, pour bien éteindre tout. Ce jour-là, j'avais décidé d'allier l'utile à l'agréable et de faire mon son dans mon lit. Zoom, ta dame, lunettes masquées, je l'ai collé toute la nuit, elle a pas cramé que c'était le motif, c'était moi. Préviens le coach, y'aura pas de petit footing demain matin. Je vais dormir de toute façon, les hits se font depuis le lit. Ça m'a valu plusieurs tweets sur Twitter. Mais zombie, c'est le son qui revient le plus souvent quand je rencontre les gens en vrai. Ils disent putain, le motif, tu vois, le son zombie là, quand tu l'as fait, ça m'a mis d'accord. Plusieurs jours se sont écoulés. Le 10e jour, Ohio est venu. Et Ohio, avec sa nonchalance légendaire, nous a lâché une trappe sombre comme il a l'habitude de faire. Le son s'appelle Vivo. Do it, it's never too late. Vivo, don't be afraid. Sing and dance day and night. It will happen if you try. You don't know when it's gonna end. 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 Et je compte bien le clipper, mais le truc c'est qu'Ohio il a un agenda de président, t'as capté? Deux jours après, j'ai fait le morceau Allo Bébé. Si je pars, tu viens. Quand je suis là, tu fouilles. Nous deux, ça marche si bien. Ça, tu l'oublies vite, tu l'oublies vite. Si je pars, tu viens. Quand je suis là, tu fouilles. Nous deux, ça marche si bien. Ça, tu l'oublies vite, tu l'oublies vite. Allô, bébé. Allô, bébé. Allô, bébé. Allô, bébé. Allô, bébé. Ma nana me fait poireauter. Allô, bébé. Elle me nie toute la journée. Vous avez été nombreux à le vouloir les jours qui ont suivi, au point où je l'ai sorti. Parce qu'encore une fois, ce projet, c'est pas que le mien, c'est le vôtre aussi. Le jour d'après, j'étais occupé toute la journée et je pouvais pas travailler sur la vidéo. Je pouvais pas mettre autant de temps sur le montage, sur l'étalonnage. Mais je trouvais que c'était pertinent parce que le son que j'ai fait ce jour-là, qui s'appelle Overdose. Overdose, y'a plus grand chose, juste un souvenir qui s'efface. Overdose, y'a plus grand chose, j'ai failli crever dans tes bras. Joue-moi du silence dans mes pauses, ne fais pas l'inévitable. Brandorons après les roses, la descente après la haie. Un peu plus profond, basé sur l'émotion, basé sur le texte, où j'avais quelques petits trucs à raconter. Et je trouvais ça judicieux justement de le faire sans avoir ma présence physique, sans avoir l'explication. Je pense qu'il était assez explicite et assez clair. Et je pense que le meilleur moyen de consommer une musique, ça reste quand même de l'écouter. Moi, quand j'écoute des prods pendant des heures et des heures, j'ai tendance à fermer les yeux. Si tu me croises en studio, je suis là comme ça dans le fauteuil en train d'écouter le son. C'est le meilleur moyen d'être concentré sur l'expérience sensorielle auditive. Finalement, au 15e jour, Easily est venu me prêter main forte. Tu vois, quand dans un match, là, après la mi-temps, ils font monter le joueur. Easily est venu. Et 3 jours de bringance de haute voltige. Que ce soit tout va bien. Pourquoi tu me bombardes de questions quand tout va bien? Tu me demandes les raisons quand tout va bien. Le monde est sous pression, mais tout va bien. Tant que je rentre à la maison, bébé, tout va bien. Garde en tête que je te laisserai pas sur tête. Garde en tête que je te laisserai pas sur tête, non. Garde en tête que je te laisserai pas sur tête. Quand je rentre à la maison, bébé, tout va bien. Que ce soit Life is Life. Life is Life. La 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 la. Et que ce soit Petit Haut. Je vous avais dit, si vous mettez plus de 6000 commentaires sous chacune des vidéos, je vous sors chaque son. Putain. Attends, comptons les commentaires. Sous Petit O qui est sorti il y a 22 heures, il y a exactement 6100 commentaires. Sous Life is Life qui est sorti un jour avant, il y a 8200 commentaires. Et finalement, sur Tout va bien, qui est sorti il y a 2 jours, il y a 11 000 commentaires. 11 000 commentaires. Eh, hey, mais Cern, tu crois, elles viennent d'où? Quand je me donne le défi de lire tous les commentaires, 11 000 commentaires, les gars. Putain. Mais je peux pas arrêter, Je peux pas dire, ah non, ben vas-y, je fais plus attention à la vie. Parce que c'est vous qui aidez à rendre réel ce projet et à l'emmener là où il est, tu vois. Et cette année, j'ai mis la monétisation. Je vais pas m'en cacher. Heureusement. Mais tu sais, c'est embêtant parce que les gens qui veulent revoir le son, dès qu'ils cliquent, ils se tapent des publicités. Mais ça les fait pas chier. Mais dès qu'ils cliquent, ça... Moi-même, parfois, je veux remettre le son, je clique, boum, publicité. Mais apparemment, il y a des chaînes YouTube qui remettent les sons. Personnellement, si je devais choisir un des 3 sons, je choisirais Tout va bien. Alors, nous voici au 18e jour. Est-ce qu'on rajoute le son du jour à la liste? J'ai demandé au producteur de me faire une voix entre baleine et homme dans l'eau. Enfin, je vais pas en dire plus. Je vous balance le son tout de suite. Il s'appelle Lumière Bleue.
éclaire son visage. Quelques messages et des escapades. Il lui dira rendez-vous demain soir. J'ai plongé dans ton regard, je suis noyé. SOS à Malo comme un naufragé. J'ai plongé dans ton regard, je me suis noyé. SOS à Malo comme un naufragé. Elle sourit bêtement, elle vibre quand ça vibre. Elle supprime tout pour mieux couler la piste. J'ai plongé dans ton regard, je me suis noyé. SOS à Malo comme un naufragé. J'ai plongé dans ton regard, je me suis noyé. SOS à Malo comme un naufragé.